Alors bonjour, bienvenue à vous. Je me présente, Sophie Riopel, je suis la coordonnatrice de la Maison des aînés de la Valtrie. Mieux vieillir, mieux vivre, c'est 12 capsules vidéo qui touchent les différents thèmes reliés aux saines habitudes de vie. Ce projet est un nouvel outil d'éducation et d'information qui promouvoit aussi l'implication des aînés comme acteurs dans leur communauté. Ainsi, nous vous souhaitons un bon visionnement. Je ne suis pas souple. Comment améliorer ma souplesse? Bonjour, c'est quoi les meilleurs exercices pour garder une bonne posture? J'ai pas vraiment d'équilibre. Est-ce que je pourrais faire du yoga? Bonjour! Bonjour! Est-ce que vous avez des problèmes d'équilibre? Oui, beaucoup. Est-ce que vous utilisez des exercices comme le yoga ou le pilates pour pouvoir vous aider à garder un meilleur équilibre? Plus le yoga, parce que le pilates, je trouve que c'est trop dur pour moi. Parfait, bien, il existe différents niveaux. Et puis, est-ce que vous connaissez le rôle des stabilisateurs, les muscles qui vous permettent de vous stabiliser? Non. Avant de commencer une activité d'étirement, j'aimerais prendre le temps de vous expliquer une activité de respiration. Ensemble, on va aller placer nos mains sur nos côtes et on va respirer sans réfléchir. On va garder notre respiration habituelle et on va se concentrer juste sur le mouvement de nos mains au niveau de notre cage thoracique. Ensuite, on va aller, toujours en continuant de respirer, placer une main sur notre abdomen et on continue à respirer naturellement, sans réfléchir. Parfait. Excellent. Pendant que vous continuez à respirer, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Vous avez sûrement pu constater que vos mains allaient s'ouvrir et se refermer de manière régulière. Et lorsque vous avez placé la main sur l'abdomen, elle n'a pas tant bougé. Idéalement, au contraire, on devrait faire une respiration abdominale. La respiration abdominale, c'est de permettre à l'air de rentrer à plein poumon, mais également dans l'abdomen, pour ainsi venir oxygéner au maximum vos tissus qui vont avoir besoin de cet oxygène pour pouvoir mieux travailler dans nos étirements. Cette respiration abdominale, c'est une respiration qui est innée chez le nouveau-né et on la perd, dans le fond, en grandissant, car notre diaphragme va devenir beaucoup moins souple. On va aller placer nos mains sur l'abdomen. Vous allez inspirer par le nez, expirer par la bouche et vous allez gonfler au maximum votre abdomen. Vous pouvez détacher, s'il y a besoin, le bouton de votre pantalon. Il faut vraiment que la respiration soit continue et fluide. Donc on met les mains sur l'abdomen, on inspire grand, on fait rentrer l'air dans nos poumons, on continue à inspirer, on pousse sur l'abdomen, les mains se soulèvent et on expire par la bouche, on rentre le ventre et on expire tranquillement. Je vous laisse continuer à pratiquer votre respiration. Vous allez le sentir instantanément, les tensions vont être soulagées, beaucoup moins de poids sur les épaules. Donc, c'est un exercice qui peut se faire tout simplement comme respiration, même dans le trafic, quand on est stressé ou bien au travail, ou peu importe où vous vous trouvez, ça va soulager les tensions. Nous allons faire la posture du guerrier. Je vous invite à ouvrir grand les jambes pour ceux qui sont debout, de tourner le pied à 90 degrés, transférer le poids vers l'avant. On ouvre les bras, on regarde loin en avant, on respire. Et vous voyez, sur chaise, on peut soutenir notre jambe de manière à moins solliciter l'équilibre, mais on travaille nos étirements et on respire sans résistance. Vous allez pouvoir tranquillement, en prenant le temps de bien vous positionner, changer de côté. Le yoga donc, nous permet de faire circuler l'énergie partout, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, nous permet de travailler notre posture, de nous étirer. On respire toujours par le nez en yoga, donc vous inspirez par le nez tranquillement et vous expirez aussi par le nez. Je vais vous inviter à aller au sol pour ceux qui sont debout. Sur chaise, on va aller se décaler un petit peu pour laisser la place à la main. Dans tous les cas, on va aller étirer au niveau latéral nos intercostaux. Je vous invite à vous pencher et à vous accoter sur votre avant-bras. On emmène le bras en haut, on étire, on respire toujours sans résistance et on garde la posture jusqu'à ce que l'étirement nous soulage au complet. On ne bloque jamais la respiration, c'est bien important pour ne pas faire d'hypertension.
et tranquillement, on change de côté, toujours dans des mouvements fluides et doux. Notre respiration est contrôlée, toujours par le nez, et on va chercher l'étirement. Excellent. Comme seconde activité, ce que je vous propose, c'est du Pilates. Le Pilates nous vient de l'Allemagne, de M. Joseph Pilates, qui en 1920 a introduit cette discipline pour renforcer les muscles profonds. Les muscles profonds, ce sont nos stabilisateurs. C'est eux qui vous permettent d'avoir une belle posture, un équilibre égal des deux côtés et surtout de garder un bon équilibre. Cette fois-ci, la respiration est un petit peu différente car on a besoin de plus d'oxygène dans notre corps. Vous allez donc inspirer par le nez, expirer par la bouche. On va travailler au niveau de nos abdominaux au sol avec ce que l'on appelle la centaine. Donc on peut décoller les pieds et avoir les épaules surélevées ou tout simplement une position à 90-90 ou bien sur chaise. On va aller placer les mains sur nos épaules et on va exagérer notre respiration. Donc on y va, on respire, on pratique nos mouvements. Donc vous voyez que chaque personne, selon sa stabilité ou son équilibre, peut trouver une position qui lui est confortable. L'avantage de travailler nos muscles stabilisateurs, c'est qu'on va venir vraiment travailler des muscles profonds qui permettent aussi de garder un squelette en santé, un squelette solide. Encore là, on prévient aussi le risque de chute et donc de blessure. Nous allons passer au second exercice de Pilates. On va aller travailler les hanches. Mobilité des hanches, soit au sol, on bascule sur le côté. On peut exécuter des mouvements de va-et-vient avec la jambe et on peut introduire des statiques au travers ou bien un repos. Sur chaise, si vous manquez un petit peu d'équilibre, vous avez juste à vous accoter sur le dossier de la chaise. Donc on y va, battement de mouvement. Il est donc très important de continuer à garder des hanches en santé. En vieillissant, c'est une des articulations qui est le plus sollicitée et qui a le plus de chances de fractures. Lorsqu'on a des fractures au niveau de la hanche, on a des dommages qui sont irréversibles. Donc de pratiquer ces exercices quotidiennement va vous permettre de garder une meilleure posture. La dernière activité que je vous propose aujourd'hui, ce sont tout simplement des étirements. Avec un anglicisme, on le connaît mieux sous le nom de « stretching ». Vous allez avoir besoin d'une sangle rigide pour effectuer ces étirements. L'avantage de ceci, c'est qu'à chaque répétition de mouvement, vous allez aller chercher une élongation de vos tendons et de vos ligaments qui vont vous permettre de gagner en souplesse. C'est le meilleur moyen de commencer à bouger si vous êtes sédentaire depuis longtemps et c'est un très bon entraînement croisé après l'entraînement chez le sportif pour libérer les tensions et l'acide lactique et ainsi obtenir une meilleure récupération. On va aller placer la sangle, que l'on soit placé à terre ou sur une chaise, en dessous de notre pied. Et on va aller tranquillement sur une expiration, rapprocher le haut du corps de notre jambe. On expire et on étire, on garde le mouvement, mais on ne bloque jamais la respiration. On respire tranquillement, on garde le mouvement d'étirement. Plus la sangle va être raccourcie, plus l'étirement va être fort. À vous de juger l'amplitude qui vous convient. Vous pouvez répéter plusieurs fois le mouvement et aller un petit peu plus loin à chaque fois. Évidemment, on prendra le temps d'effectuer l'étirement des deux côtés. Ensuite, nous allons voir ensemble un étirement du haut du corps. Donc, je vous invite à vous placer soit en indien au sol, soit en belle posture droite, les genoux à 90 sur la chaise. On va aller chercher une tension dans la corde, on lève les bras et tranquillement, on va basculer sur le côté. N'oubliez pas d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Vous pouvez tenir l'étirement comme bon vous semble, 5, 10, 15 secondes, tant que vous sentez que la mobilité vous le permet. Aucune résistance dans la respiration et on augmente notre amplitude. Ces différents exercices d'étirement, s'ils sont pratiqués sur base quotidienne, vont vous permettre d'acquérir très rapidement de la mobilité et une amplitude de mouvement beaucoup plus grande. Vous allez aussi gagner en flexibilité. Il est important donc de rentrer ça dans votre emploi du temps quotidien
et ainsi vous garder en forme. Prenez soin de vous.